L'animatrice de GB News, Nana Akua, a appelé au boycott des mémoires à venir du prince Harry, car le duc et la duchesse de Sussex devraient apprendre à se tenir debout sur leurs deux pieds sans utiliser leur lien avec la famille royale. Speaking on the show this week, Ms. Akua said, he, for one, will be boycotting Harry book. Je ne suis pas prêt à financer ces deux-là, elle a ajouté, en tant que contribuable, je le fais depuis des années, je ne suis plus partante. Apparemment, nous avons déjà déboursé 100 000 $ en contestation judiciaire parce que Harry n'est pas satisfait de sa dégradation de la sécurité. Madame Akua a poursuivi, non, je veux voir cette paire se tenir debout sur ses deux pieds. Et faire face à la réalité de la vie, telle que nous la voyons tous, où les gens ne s'inclinent pas et ne font pas preuve de courtoisie parce qu'ils se sentent honorés que vous soyez dans leur présence. Cela est réservé à la vraie royauté, elle a affirmé que la vraie royauté est quelque chose que Harry n'a pas apprécié et Meghan n'a pas compris. Elle a conclu, cela vient du respect, et, Jane est bien peur, je n'en ai pas pour ces deux-là. Le livre de Harry a été annoncé par l'éditeur Penguin Random House, l'éditeur avait indiqué, à l'époque, qu'il était provisoirement prévu pour fin 2022. Dans une déclaration publiée au moment de son annonce, Harry a déclaré, « J'écris ceci non pas comme le prince que je suis né mais comme l'homme que je suis devenu. » J'ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises. Il a affirmé qu'il était excité que les gens lisent un récit de première main de sa vie. Le livre n'a pas figuré sur une liste des prochaines versions de Penguin Random House, ce qui laisse supposer qu'il a été retardé.